Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul. Donc enfin un petit, ce sera un haul qui va englober de la mode d'une part et du make-up et du skincare aussi. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, pour changer un petit peu, on va commencer par le côté mode. Aussi accessoires. Donc je voulais absolument vous parler de cette montre. Je pense que ça fait un petit moment que vous la voyez à mon poignet. C'est une montre connectée, je vais le mettre dans le bon sens, de la marque X-Watch Pro. Et franchement, je la kiffe. Pourtant, j'ai eu pas mal de montres, je dirais, connectées. Mais celle-ci, elle est vraiment super. Je la kiffe. Je vais vous la montrer. Donc, elle se présente comme ça. Voilà, c'est un bracelet en silicone et vous avez le choix en fait au niveau des couleurs. Il me semble que vous avez gris et rose. Voilà, ouais, là par exemple ici, où nous avons le gris. Et là par contre, c'est plutôt du violet, hein. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Je la porte tous les jours. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir. Je vais juste augmenter en fait la luminosité. Voilà, c'est mieux. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ici, on a un cadran qu'on peut changer, le cadran principal. En fait, il suffit de rester un petit moment dessus et vous pouvez le changer. Sinon, vous allez dans le menu ici, voilà, en swipant, vous appuyez sur cadran et vous avez plein de choix de cadran déjà dans un premier temps. Voilà, et celle-ci, vraiment, pourquoi je la kiffe? Parce qu'elle est vraiment, elle possède beaucoup, beaucoup de fonctions que vous pouvez choisir. Donc ici, ça vous donne le nombre de pas, le nombre de calories brûlées et le nombre de kilomètres. Voilà. Moi, par exemple, ce matin, j'ai déjà bien marché. Je suis à 3632 pas, ce qui équivaut à 2,57 km et j'aurais brûlé 212 calories. Ensuite, ici, nous avons les battements par minute, la température, donc température minimale et maximale. Ici, c'est de la musique. Ici, c'est le temps de sommeil. Voilà, après ça c'est ce que j'ai choisi pour ma part parce que vous pouvez la personnaliser. Pour l'éteindre, c'est ici. Pour revenir au menu, vous avez aussi un menu déroulant au-dessus. Voilà, pour des fonctions beaucoup plus rapides, vous avez un menu déroulant ici sur le côté et vous en avez aussi un en bas. Et regardez-moi toutes les applications qui sont disponibles. C'est vraiment la seule que j'ai pu tester qui en propose autant. Donc, vous pouvez recevoir les appels, les messages, les mails. Je reçois tout dessus. Vous pouvez écouter de la musique, regarder la météo, faire vos réglages, le timer. Franchement, tout, tout, tout. Elle est vraiment très, 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 très complète. Si ça vous dit, en plus, franchement, au niveau tarif, je trouve qu'elle est très, très raisonnable comparée à d'autres montres. Donc voilà, je vous laisse regarder, surtout là en ce moment avec le Black Friday, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne affaire et j'aime beaucoup la fermeture. Regardez là, elle ne bouge pas et vous risquez pas de la perdre. Voilà, voilà pour cette montre que j'aime beaucoup et que je ne quitte plus du coup. Voilà, X-Watch Pro. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va continuer avec mes deux paires de baskets. Donc dans un premier temps, j'ai craqué pour les New Balance. Je vous mets des photos portées parce que vous les avez kiffées sur Instagram. Donc désolée, elles sont un petit peu sales parce que oui, je les porte, hein. Voilà, ce sont celles-ci. Vous avez énormément de choix de coloris. Ce sont les 327 et je les adore. Franchement, elles sont trop trop belles. Donc elles sont en cuir comme ça, blanc cassé, avec un petit peu de gris. Et vous avez donc le sigle New Balance, en fait le N, en bleu marine, et je les trouve trop trop belles. Alors je savais pas trop quoi prendre entre le 39 et le 40 parce que souvent moi je suis entre deux, je suis entre le 39 et le 40 et je ne sais jamais trop selon les baskets, mais celle-ci, prenez votre taille habituelle. 40 c'est très très bien, je suis à l'aise dedans, j'aime pas être serrée, et celle-ci franchement gros coup de cœur. Je les ai eues sur Azos. De toute façon, je vous mets tous les liens des produits que je vous cite dans cette vidéo en barre d'infos. Ensuite, deuxième paire de baskets, ce sont celles-ci, ce sont des Converse. Alors celles-ci, je ne les ai pas portées. Je les ai essayées, mais je les trouve, je sais pas, je trouve qu'elles ne me sciaient pas aux pieds. Je ne sais pas quoi vous dire, pourtant, ça fait un moment que je les veux. Je ne sais pas si c'était un bug sur le site ou une grosse promo. Je les ai eues à une trentaine d'euros en fait, avec le cashback iGraal. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous faites des achats, je peux vous parrainer, vous cliquez en bas et vous récupérez en fait de l'argent sur vos achats. Et moi, j'ai récupéré comme ça, je crois, 500 ou 600 euros depuis le début. Voilà, donc ce sont celles-ci. Je sais qu'elles ne vont pas plaire à tout le monde, mais elles sont en moumoute comme ça, trop rigolotes. Et pour l'hiver, elles sont vraiment super jolies. Elles sont livrées avec une autre paire de lacets comme ça. Mais je ne sais pas.
Elles me vont un petit peu serrées, pourtant j'ai pris du 39,5, j'aurais dû prendre du 40. Elles taillent grandes en fait, mais je trouve que comme elles sont fines au bout, si vous avez un pied large, ben, ça peut être problématique. Enfin, ça va, vous n'allez pas être à l'aise. Donc voilà, parce qu'elles coûtent quand même 90 euros de base. Donc voilà pour celle-ci. Hop, donc on en a terminé avec les chaussures. On va passer à Blushmark. Donc ils m'ont contacté pour tester leur site, et je trouve que leur site ressemble trop à celui de Shein. Après je voulais tester du coup la marque et surtout les vêtements quoi. Et j'ai choisi du coup un ensemble streetwear, hein, un ensemble jogging. Franchement l'ensemble jogging, j'en reviens pas, il est super chaud, vous voyez, c'est un polaire. Avec ça, vous n'avez pas froid. Je le kiffe, il est blanc cassé comme ça avec une inscription ici. Alors j'ai préféré prendre du XL, il est un petit peu large, mais c'est pas grave. Franchement, pour rester tranquille pépère à la maison ou en guise de pyjama, bon, il faut que je le lave parce que je l'ai un petit peu taché. Donc vous avez une capuche et une double poche à l'avant. Et enfin le pantalon, voilà, il est bien serré. Franchement, c'est de la bonne qualité. Vous avez encore une inscription ici. Vous avez deux poches. Vous voyez, les poches, elles sont bien doublées. Enfin, je veux dire, très, très bonne qualité. Voilà. Et c'est resserré ici à la cheville. De toute façon, je vous montre des photos portées parce que j'ai fait également des clichés avec. Voilà pour ce super jogging qui est à 20 $, je crois. Et en plus, avec mon code, vous avez moins 15 ou moins 20%, je ne sais plus. Je vous mets tout ça en barre d'infos et affiché ici. Et enfin, autre pièce que j'ai voulu tester, que je n'avais absolument pas, c'est ce manteau effet teddy bear, en fait, effet nounours. Il est super doux, mais vraiment, il est de très bonne qualité également. Il est doublé, comme vous pouvez le voir, et il tient super chaud. Il se ferme comme ça par ce système de crochet blanc. Vous voyez, comme ça, comme ceci. Et après, hop, vous fermez. Voilà, c'est sécurisé et il y en a deux. Franchement, il est super joli, super chaud. Et vous avez des poches, ça c'est important parce que tout le monde ne fait pas des poches sur les manteaux, je ne comprends pas. Surtout sur des sites comme ça, vous voyez, vous avez des poches. Donc voilà, pareil, je vous le montre porté et franchement, il tient super à chaud pour l'hiver. Voilà pour les vêtements. J'ai un autre accessoire à vous présenter, c'est ce sac de la marque GB Bag. Voilà, ce petit clutch, comme on appelle ça, une sorte de pochette. J'ai adoré en fait la couleur, voilà, c'est une des couleurs tendance du moment, avec une petite chaînette. Alors la chaînette, j'aurais aimé qu'elle soit voilà, en acier ou autre, parce que là c'est du plastique. Bon, écoutez, ça fait un petit peu cheap, mais ça va, ça se voit pas trop, vous voyez. Ici par contre, il me semble que c'est de l'acier, le petit mousqueton ici, parce que vous pouvez l'enlever, hein. Si elle vous plaît pas, vous pouvez l'enlever et vous pouvez la porter comme ceci, vous voyez, à la main. Et après, j'ai kiffé en fait l'ouverture. Regardez, ça s'ouvre comme ça, comme les anciens portefeuilles à l'époque. Et voilà. Donc, petite besace qui prend pas énormément de choses, mais quand même. Hein. Regardez, c'est assez profond. Vous pouvez y mettre votre portefeuille, votre téléphone. Et ici, nous avons une petite ouverture. Voilà, avec une petite pochette en fait. Voilà, une petite poche. Donc, pas mal pour le téléphone et autres. Donc voilà, franchement super sympa, je vous invite à aller voir leur site du coup, que je vous mets en barre d'infos également. Et si j'ai un code, je l'insère comme d'habitude également. Donc voilà pour ce petit sac, on en a terminé avec la partie, je dirais, mode, accessoires. On va passer à la partie soins, par ce duo que j'utilise en ce moment de chez Aven, que j'aime beaucoup. Hop, voilà, donc c'est de la gamme Tolérance. Ici nous avons la lotion nettoyante gélifiée. C'est pour visage et yeux, c'est pour peau sensible à réactive. Alors moi en ce moment, je ne sais pas si c'est le froid, mais je la trouve encore plus réactive qu'avant. Même juste passer en fait une crème, j'ai la peau qui rougit de suite. Et elle est faite à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, et celui-ci par exemple fait 200 ml. Nettoie des maquis sans rinçage et sans parfum. Hop, et ensuite, celle-ci que j'adore appliquer surtout le matin. Donc, c'est la Tolérance Control crème apaisante restauratrice qui fait 40 ml. Pareil pour les peaux réactives. Vous avez le petit flacon pompe qui est très pratique. Par contre, la petite fermeture, mon fils adore s'amuser avec. Donc, je ne sais pas où elle est. Donc, voilà pour ça. Ensuite, chez YesStyle, c'est une commande. Et j'ai également reçu des produits en fait que je vous présenterai dans une routine soin. Alors moi, j'ai passé commande sur le site
Voilà, ce qui est super sur le site, c'est que vous avez énormément de choix. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils mettent plus d'un mois à vous envoyer la commande. Donc, il faut vraiment prendre son mal en patience. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des produits que je kiffe, en fait. C'est cette marque-là. Je vous en ai déjà parlé. C'est de la marque Frudia. Et c'est fait à base, en fait, de jus de raisin. Ça sent trop, trop bon. Si vous voulez tester, franchement, testez cette gamme-là. Donc, j'ai acheté le... Celui-ci, c'est un nettoyant, mais qui fait aussi office de gommage. Voilà, pour les pores, en fait. Ça va venir minimiser les pores. Et ça va, bien sûr, venir également nettoyer la peau. Il fait 145 grammes. Hop, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai mis de côté pour pouvoir vous le montrer. Vous voyez, c'est bien fermé. Hop. Et ensuite, j'ai repris ma crème chouchou. Vraiment, si vous voulez tester une de leurs gammes, c'est celle-ci. Parce qu'ils ont plusieurs gammes. Hein. Donc, c'est la Pore Control et c'est celle au jus de raisin. Une dinguerie, vraiment, l'odeur de leurs produits. Et même les packaging, regardez-moi ça, ils sont trop chauds, on dirait une pomme. Voilà, et ça, c'est ma crème favorite. J'en ai déjà terminé une. Il m'en reste un fond et je me suis dit, non, il faut absolument que je la... j'adore. Il faut absolument que je la rachète. Alors, c'est plus une texture gel. Voilà, si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, c'est le top. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ils m'ont mis plein de masques. Vous voyez. Par exemple, celui-ci, un masque hydratant, de la marque Frudia également. Ici, nous avons un masque... Il me semble que c'est un masque apaisant. Ouais, nourrissant. Hop. Ici, ils m'ont mis voilà, plein de petits échantillons. Et là, j'ai également... Vous voyez, il y en a plein, ils m'en ont mis plein. Et là, j'ai une crème également. C'est de la marque Purito. C'est une marque que je connais, je pense que vous connaissez également. C'est la Hot In Calming Gel Cream. Donc, c'est un gel calmant. Un petit peu comme celle de chez Aven. Parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai la peau réactive. Du coup, voilà. Pour les peaux sensibles, ça va venir calmer et adoucir la peau. De la marque Purito. Donc voilà, il fait combien? Il fait 100 ml. Hop. Et par contre, celui-ci, je n'ai pas encore testé parce que j'attends de terminer la veine, comme c'est un petit format. Et j'attaquerai du coup celle-ci. Ensuite, je vous montre vite fait ce qu'ils m'ont envoyé parce que je vais être brève parce que vous allez les revoir dans une routine. Je les utilise du coup en ce moment également, mais surtout le soir par exemple. Donc ici, j'ai reçu de la marque Skin 1004, le Madagascar Centella. Et c'est un nettoyant en fait à base de Centella Asiatica. Mais les produits coréens en général, ils utilisent pratiquement tous cet ingrédient. Voilà, ensuite j'ai reçu de la marque Purito. C'est le Dermid Cica Barrier Sleeping Pack. En fait, c'est une crème de nuit qui va venir protéger la peau, la calmer, l'adoucir. C'est également au complexe Centella, voilà, qui va venir l'hydrater durant le sommeil. Et c'est fait à base de céramide et d'acide hyaluronique. Celle-ci fait combien? À chaque fois, je galère. 80 ml et celui-ci fait 125 ml. Hop. Ensuite, nous avons un sérum. C'est le Pure Sérum de la marque I'm From. Et je pensais que c'était à la poire. Mais en fait, il n'y a pas d'odeur du tout, du tout. J'aurais aimé une petite odeur, en fait, gourmande. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas d'odeur. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais j'aime beaucoup le packaging. Et c'est un petit sérum qui va tout simplement venir hydrater la peau. Et accentuer, en fait, les effets de la crème qu'on vient appliquer juste après. Ensuite, j'ai une autre crème. Pareil, c'est la Calming. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de crèmes, en fait, pour l'hiver, pour venir calmer tout ce qui est sensibilité de la peau, pour éviter les rougeurs, les tiraillements. Donc ici, c'est de la marque Pyongkang Yule. C'est un petit peu compliqué. C'est la Calming Moisture Barrier Cream. Voilà, c'est une crème qui va venir faire barrière et qui va faire barrière au froid et qui va venir, en fait, calmer et hydrater la peau. Et enfin, dernier petit produit, c'est... j'avais jamais testé. Si, je crois que j'avais testé un produit de Laneige. Et celui-ci, c'est le One Thing. Et c'est tout simplement un baume à lèvres hydratant. Voilà, oui, je crois que c'est de la marque One Thing, parce que c'est tout ce que nous avons comme indication. Il fait 13 ml, et la crème, je ne vous ai pas dit. La crème fait combien? Des fois, ils ne le mettent pas, hein, parce que là, par exemple, je vois... Ah, 50 ml. Voilà, et le sérum, c'est une grosse contenance, je trouve. Il fait 50 ml également.
Voilà la team, on va terminer cette vidéo par l'Alalab. Je pense que vous connaissez tous le concept et je kiffe. Donc pour les fêtes de fin d'année, regardez-moi cette jolie boîte. Et en fait, cette boîte vous permet. Donc j'ai choisi ce format-là. C'est une boîte de 50 photos, mais moi j'en ai sorti, j'en ai édité 100. Voilà. J'ai essayé en fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant de sortir mes photos préférées et voilà, à chaque fois je me fais des petits albums et franchement je kiffe et je suis toujours aussi contente en fait des tirages et de la qualité photo. Par exemple ici vous voyez c'est une photo avec mon fils, voilà, il y a beaucoup de photos comme ça, des petites photos comme ça, souvenirs avec mes enfants qui lèchent le fond du saladier lorsque je fais des gourmandises par exemple. Voilà, des petits moments entre frères, des moments voilà, avec mon fils par exemple. Voilà, tout simplement. Hop, celle-ci, je l'adore. Avec mon petit fiston, il fait une tête trop chou. Voilà, par exemple, celle-ci aussi avec mon grand. Voilà, franchement, je kiffe ce genre de photos, souvenirs, et j'adore faire une boîte comme ça à chaque fois pour garder des souvenirs et surtout pour pas risquer de perdre certaines photos voilà importantes. Et aussi ça permet aussi de libérer de l'espace sur le téléphone, ce qui est non négligeable ici avec ma petite nièce. Donc voilà, franchement plein plein de souvenirs, je kiffe, je kiffe. Et à chaque fois vous savez que je passe sur l'Alalab. Là bientôt il va y avoir les anniversaires de mes enfants, je fais toujours toujours mes livres chaque année, mes livres chez l'Alalab, les petits livres, et je sors également des tirages. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas, je vous mets si j'ai un code promo également ici et en barre d'infos. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce haul. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!